revelation. Yo, what's up, c'est Filigrane, on est au Catacombe pour la première édition des Word Up Révélations. Je suis fucking down! Word Up! Word Up! Let's go, à ma droite! Yeah, witness K2Dub, you know who it is. Yo, faut que je fasse un petit peu de promotion. Deuxième album de K2Dub dans pas long. Album solo dans pas long. Mon premier vidéo, le skateboard n'est pas un motherfucking crime. Dans ton écran, début du printemps. Pis yo, c'est mon cinquième Word Up ici. Faut que je le dise. Gros shout-out à Philippe Izeuf pour l'exposure qu'il donne aux MCs. À tous les MCs ici qui ont du love pour le hip-hop. Word Up! Word Up! Yeah! Yo, à ma gauche, présente-toi. Crackstar, I don't give a fuck if you don't like me. I'm the most awesome human being alive. Puis ouais, je parle en anglais, you mad, bro? Let's go. C'est vraiment moi qui est le plus awesome, mais c'est pas grave. Gros shout-out à Résistance, notre main sponsor. QC Creation pour les colliers en bois. Sino Shop, on vous oublie pas. JP Sino, gros love. Hip-hop franco, HHQC. Il y a 200$ sur la ligne. Word up! Word up! Yo, t'as gagné le coin toss, tu commences ou il commence? Je commence. Witness, quand tu veux, oh, une minute, man. It's on! Yo, crack a star, crack a star, crack a star. Le lapin énergisaire de Word up. Gee, sérieux, il serait peut-être temps que tu t'en ailles. Faut pas que tu rates ton boss à Montmorency. Y'a pas une couple de tes boys qui t'attendent sur un speaker ou fuzzy? Au pire, retourne voir Grégory à ton mondial de chorale. Va retrouver du fucking parking au fucking Carrefour Laval. Retourne te chiller à Récréatec avec Jean-Pascal. Trouve-toi une fucking corde. Non, mieux que ça, viens dans le temps, roule au bon moment en dessous du pont de la Concorde. Continue à essayer de pick up des milfs au centre du Vernet. Si tu m'as ta bitch a roté, apporte une chemise carottée. Là, soit t'es que shit, ton sein de roté. Shit, j'suis désolé, mais ça me dérange. À cause de vous, je peux jamais m'asseoir sur la fucking ligne orange. Votre pont de la 25 me fait payer 8 bucks à chaque fois. J'ai pas le temps de m'abonner à votre asti de shit. Retourne sur le bord de la rivière des Mille-Îles, taquiner la truite. Prends une pause des battles, une année sabbatique, repense à tes shit. Puis pour la première fois de ta fucking vie, écris donc un vrai lyrique. Oh! Pis je pense que je parle au nom de tout le monde. Crack, s'il vous plaît, si t'aimes ça tant que ça faire des flips, va au Cirque du Soleil, pis crisse-nous la paix! Pis tous les MC ici le savent, mais je pense faut que tu le saches, t'as body bag, aucun cypher après Classic Clash, right? Yo, sorry man, c'est drunken time right there! On est de retour, on a eu une petite pause, problème technique, we're back! Une minute quand tu veux! Ça a tombé sur mon dos. Hey yo! Sur ton t-shirt, c'est écrit K2Double. Mais il est pas bien beau ton chandail. Et puis ton verse était tellement whack qu'il a fallu qu'on prenne une pause pis que plein de monde y s'en aille. Oh! Yo! Et puis tu dis, whatever ce que t'as dit, fuck le Cirque du Soleil. Maintenant je vais te dire que ta bitch c'est une fucking slut crappy. Pis c'est vrai que je suis le lapin énergiseur, c'est pour ça qu'elle fait des bunny hops sur ma batterie. Oh! Yo! True story! En 2011, ma fiche était 6 en 1. Tous mes adversaires, je leur ai pété la gueule, c'est fait. Malgré toutes mes victoires, j'ai plein de haters qui checkent mes battles pis ces caps veulent que je les perde. Mais la seule fois que j'ai perdu contre Obélix, c'était débattable à cause de mon pattern d'échec. Fait qu'on peut dire que ma fiche est de 7-0, sinon faudrait mettre un astérix à côté de ma seule défaite. Oh. True. Yeah. Pis après que je batte ce gros cave, on l'efface du montage. Bitch, je pourrais jamais gagner contre Crack, pis je trouve ça fucking triste, t'as un nom comme Witness, mais t'es pas capable de témoigner à quel point tes battles sont whack. Oh. Fait que faggot, t'es loin d'être le shit, on sait bien que t'es une bitch, pourquoi on devrait respecter ce crétin d'hypocrite quand son nom c'est Witness pis un fucking témoin c'est un snitch? Oh, hold on, maintenant j'amène des nouveaux flows comme si j'avais éclaté mes condoms. Ça c'est un message à tout le monde qui pense que c'est pas bon. J'en ai absolument rien à chier de ces pauvres cons. Si vous avez des balls now, faites-moi un call out. Sinon vous avez aucune fucking raison de mentionner mon nom. Oh. True story. Yeah. Yo, et puis j'en ai crissement rien à foutre si t'as avec Maï. Si le hip-hop est dead, c'est à cause des rappers communicables qui talk shit caché derrière le clavier d'ordi. Puis si vous êtes pas capable de savoir que j'ai raison, vous êtes littéralement des plus grosses faggots que vous croyez que moi je suis. Time. Yeah. Time. Round 2, let's go! Ah, je pense que j'ai eu une émotion. Quand tu fermes la bouche, c'est terriblement bon. Crack, dans ton quartier, t'es une vedette? Ok, pis Pluton, c'est plus une planète. Sérieux, faudrait que t'arrêtes avec tes slings. Je pense qu'on a compris que t'es bilingue. On en a rien à foutre, autant que Wayne avait rien à foutre du putain de râtelier à flingue. Get it? Get it? Get it, get it! Non, on get pas, man, ta fucking gueule avec ça! Yo,
nom, ça veut dire quoi, man? Le gars en avant, j'ai dit, je suis venu pour crack à cette heure. Il m'a dit, quoi, tu fumes du crack à cette heure? J'ai dit, non, je suis... Non, je suis venu pour Grand Castor. Il m'a dit quoi? J'ai jamais vu de Grand Castor. Sérieux, G? Mais yo, yo, si tu connaissais le Brésil, tu verrais que mon flow coule comme les chutes d'Iguassou. Mais non, tu connais le Grésil, ton flow coule comme ce qui dégoûte du nez d'un gossou. Ouais, sérieux, j'ai des gros malaises quand j'écoute tes Word Up. J'aime mieux écouter du Roy Nock. PS, je n'écoute pas de Roy Nock. Shit, yo. Pis quand j'ai checké ton Facebook, j'ai vu des trucs qui ont fuck up mes pupilles. Yo, peux-tu s'il te plaît ne plus jamais montrer tes tatous dans tes photos de famille? Hey! Yo, dans le ring, tu dis que t'es une bête? Hey, je prends le taureau par les cornes. T'es un Italien sans un art trait. Fredo Corleone. Oh! Shit. Wow. Time, time. Let's go! Meilleur time. Fuck witness! T'es une petite slot juste trop hood. Et dans tes photos de famille, je te montre pas mon tatou parce que ta mère, je peux t'en aller à fist fuck jusqu'au coude. That's right. Yo! Et puis, cette année, la seule chose sur le wish list que ses parents voulaient avoir pour Christmas, c'était la mort de Witness. C'est vrai. Yeah. Yo, c'était la mort de Witness. Fait que pendant le temps des fêtes, si tu décides de caler plein de brou, je vais m'arranger pour répondre au téléphone quand tu vas appeler Nez Rouge, puis pour leur faire plaisir, je vais envoyer 5 sous pour te ramener chez vous. Yo, that's right. Faggot! Yeah, je vais envoyer 5 sous pour te ramener chez vous. Puis après ça, toute ta famille veut que tu meurs! Chris, t'as pas compris? Là, on sait que ton père est loin d'être un parent modèle, pis ta mère, c'est une grosse sale pas belle. Fait que je le beat up ce soir, je mets leur fils dans une boîte, pis je leur donne comme cadeau de Noël pour l'année prochaine. Mission accomplie! Pis quand tu frappes, t'es pas hard, tes punches sont mous. Vu que tes bars sont pas si cool, crack a start fait fucking lose. T'es une sale, t'es de bitch faible. Après crack, t'es chin check, on va t'appeler Hitness parce que tu repars sans W. Oh. Time. Time! Yeah. Let's go! Dernier round! Let's do this! Yo, 1-2-3 kid, calme tes dents un peu. Yo, tu penses vraiment qu'autour de toi, il y a un grand hype? C'est pas parce qu'il y a une énorme soucoupe volante dans ta ville que tu fly high. Moi, j'ai hâte que ça finisse, juste pour aller me boire une bière au bar. T'as pas vu que mes 16 bars, c'est $1 en bar, de bar en bar, pis que les tiens, c'est 0 pis une bar? Explication. On va écouter un extrait d'une de tes compositions, Manon. Fucking que dalle! Ah! T'as perdu ton battle au Saguenay parce que le prix, c'était un instrumental! Sérieux? Pis tu penses vraiment que ta sœur, c'est pas une biatch? Come on, big boy! Je suis sûr que si je viens, c'est sain, va falloir que je donne une fucking paille! Hey yo! J'avoue qu'elle crise ma tête. Je l'ai checké l'autre jour pis j'étais comme wow! Je te jure, même Black Rob était comme wow! Damn! Yo! Pis fucking pour finir, poster tes fucking états d'âme sur Facebook, tu penses que c'est ça que tes amis veulent? Avec ton iPhone, tu te sens moins seul? Gee, t'as pas une application pour farmer ta gueule? Hey! Toutes tes lines sont tirées par les cheveux, autant que ta char une mère c'est tiré par des chevaux. Comme dans tes matchs de lutte, tu actes tes faux, t'es un acteur, un comédien, bref. Ce que tu fais, c'est du théâtre, ça je te donne la monnaie de ta pièce. Fous le camp, hein? Yo! By the way, je fais même plus de lutte! Fait que tout ce qu'il t'a dit, tu penses que c'était fou, est-ce que tu te caves? Pis si le monde réagit à tes lines, ben c'est juste parce que ton fucking crew est dick ride. That's right. C'est fucking vrai. Yo, pis maintenant tu vois qu'en freestyle... Faggot, arrête de... Tu vois qu'en freestyle, je suis une grosse brute. Tes verses sont pas de structure, pis tes lines sont mal construites. Tu fais plein de monosyllabiques, pis des belles lines, t'en as aucune. Fait que... C'est une fucking faggot. Des belles lines, t'en as aucune. Fait que tes textes sont mal écrits. Fait que comment tu penses être fly quand t'as pas de plume? Pis t'es pas un sick MC, t'es une bitch ST. Parce que ça se voit que t'es glacé à chaque fois que je spit mes freeze. Fait que fuck Witness, on devrait t'appeler Witness T. Whoa. Get it? Yeah, yeah. C'est bon catchphrase. Faggot, shut up. Yo, fucking Witness T. Yeah. Hold on, hold on, Soulcon style. Bitch ass motherfucker! Fuck! Ça t'a déconcentré toi-même? Je me déconcentre moi-même, tu sais. C'est ça qui arrive quand je ride trop mon dick. Fucking witness tea! Après ça, fuck that! I don't know what the fuck's going on, mais t'es une fucking bitch. Time! Fuck. Le fou battle, faites le bruit! Nous allons en direction des juges!
fun, right? Yo, Donnie, laisse fuck les gens qui vont passer derrière. Bon, on va faire beat, c'était pour Quack Star versus Witness. Le premier, je donne à Quack Star. Le deuxième à Witness qui a été plus costaud. Et le troisième, je savais pas trop comment j'allais le juger. Mais voilà, Quack Star a fait la différence en slipant, en voulant flipper, etc. Et ça n'a pas marché. Donc ça part pour Witness, sans aucun souci pour lui. Bang! Hey yo, what's up, c'est Farfadet, c'est FRM pour Jungle Music. Track and Star pour Witness, selon moi c'est simple. 3-0 pour Witness. Track and Star, c'est un peu perdu dans ses flips. C'est plus juste le truc, Witness est arrivé plus fort. 3-0, facile. Yeah, super soldat. Le battle était nice encore une fois. Crack a Star contre Witness. J'en ai un petit peu fucking party. Moi, je vous dis, j'aime les flips de Crack a Star. Il en fait trop, par exemple. Il oublie son texte. Il se déconcentre lui-même. Mais ses flips, j'ai trop bon personnellement. Pour vrai, c'est pas facile de passer un peu de temps à ces shit-là. C'est très bon. Witness est super bon, les lines, il rap bien, tout ça. Moi, par exemple, j'ai eu misère quand il n'y a pas la grosse technique, comme il y en a eu à 3-4 places, puis tu vois que c'est un coup de luck. Mais j'aime vraiment ce que tu fais. Shout out au bruit de bière. J'aime vraiment que, par exemple, tes jokes, tout ça, mais gars, je dois trancher avec mon équipe à moi, le côté de rap technique. Fait que, Crack a Star, même si tu slip le troisième, le 2, c'était juste un petit slip de rien. J'aimais mieux tes flips, ça pète plus, c'est technique, j'aime ça. Holler! Un chili chill, mais il est dans une boîte vite facile. Witness versus Crack a Star. Premier round, Crack a Star a vraiment été malchanceux, il a eu un petit fuck-up, c'est sûr que ça l'a fucké son game. Deuxième round, Crack a Star a eu un petit slip, puis troisième round, Crack a Star s'est mêlé un peu partout. La victoire est assez facile pour Witness. Message à Witness, je t'avais déjà vu en vidéo une couple de fois. J'étais comme, hein, j'ai vu live. J'adore ton attitude live. Je sais pas si c'est parce que t'as vraiment c'était pas beaucoup depuis la dernière fois que t'as sorti ou si c'est juste parce que j'avais pas catché ton attitude en vidéo. Mais j'adore ton attitude, c'est vraiment chill. Petit message à Crack a Star, j'adore le fait que tu dises fuck les haters puis que tu continues à faire ce que tu sais faire puis ce que ça te tente de faire. C'est très important. Mais en même temps, t'es pas obligé de faire un flip à chaque début de verse. Mon petit message. Peace. Voilà, P-Dox. K6C, AAA, l'album Sourions vous regarde. On vend chez tout bon et moins bon disqueur. Je viens de checker le battle de Crack a Star contre Witness. On va y aller simple. Je donne le battle à Witness. C'était un excellent battle des deux côtés. Witness m'a vraiment fait marrer, même si il n'est pas aussi fort techniquement que Crack a Star. Je trouvais que ses lines étaient meilleures. Petite bémol, comme Taz dirait, c'est vraiment dope des flips, mais si tu fais trop de flips, tu diminues l'impact de tes flips. Right? Peace. Yo, what's poppin'? On est de retour avec la décision des juges. 4-1 pour Witness! Yeah! Yeah!